raconter une première histoire. Moitié en provençal, moitié en français. Putain, les ballons, j'adorais taper dans un ballon, le faire rouler sous la semelle, jongler comme ça, hop là, avec la tête. Tu parlais d'un beau livre, c'est avec l'imagination de l'auteur. Avec certains livres, oui. Il y a des gens qui n'aiment pas le foot, hein, et puis il y a des gens qui n'aiment pas les livres. C'est comme ça, voilà. Il y en a, oui, mais la littérature, c'est comme les brocolis. Les brocolis, non mais... Avant de dire qu'on n'aime pas, il faut d'abord en avoir goûté. Mais franchement, mais n'importe quoi, maîtresse. Non mais toi, il te manque autre chose pour avoir une chance d'aimer les livres. Imaginer, créer, choisir. Dans une histoire, je croisais des bâtons gigantesques. Et dans cet après, une toute petite barque était engloutie par des vagues monumentales. J'étais transporté d'une histoire à l'autre, d'un bateau à l'autre, d'un personnage à l'autre. Je voyais bien dans le sourire de son regard que ça lui faisait sacrément plaisir à ma grand-mère que je pousse enfin la porte de la littérature. Ça donnait juste envie de croire à tout sans se poser de questions. Se laisser porter, voyager au pays des histoires.